Qu'est-ce que c'est? Bonsoir madame, c'est pour une étude de marché. Dis-moi le quand. Bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Vous êtes tout nu, excusez-moi. Je n'ouvre jamais la porte lorsque je ne veux pas être dérangée. Je fais une étude de marché pour savoir s'il serait possible d'ouvrir un commerce genre supérette dans votre quartier. Entrez. Posez vos affaires, j'arrive. L'été risque d'être chaud. Ils annoncent une nouvelle canicule. On voit la chaleur qu'il fait alors qu'on est à peine au mois de mai. Oh, c'est sûr qu'il va faire chaud. Voilà, pardon. C'est mieux comme ça. Oui, c'est plus... Enfin, c'est moins... C'est mieux si on veut, hein. Donc vous voulez ouvrir une supérette? Ah oui, mais avant de me lancer dans cette aventure, je voudrais connaître les attentes du voisinage. Enfin, surtout les demandes spécifiques des habitants du quartier. Asseyez-vous. Merci. Pendant combien de temps seriez-vous prêt à marcher pour vous y rendre? « 5 minutes ? 10 minutes si c'est vous à l'accueil ?» Je note 10. Faut soutenir ce genre d'initiative. Quelle catégorie de produits aimeriez-vous y trouver? Frais, demi-frais, surgelés, conserves, autres. Pourquoi vous faites du porte-à-porte? En journée, j'ai pas le temps. Et puis le soir, je rentre trop tard pour faire le questionnaire sur la rue. J'aime les bons produits, vin, viande, fromage, légumes, vendus directement de l'exploitant en particulier. Faudrait pouvoir être livré. C'est prévu. C'est bien. Et c'est vous qui vous chargeriez des livraisons? Je sais pas encore. Vous devriez, au début en tout cas. Créer un climat de confiance. Savoir que vous viendrez, ça serait comme un rendez-vous régulier et qu'on attendrait avec impatience. Vous vous moquez de moi? Pourquoi vous dites ça? Vous essayez de m'amadouer, mais je vous ferai pas de ristourne. Vous entendez? Cette musique me fera toujours vibrer. Lorsque le vin vient frapper brutalement le fond de la carafe, c'est comme s'il se précipitait pour se laisser déguster plus rapidement. Vous attendez quelqu'un, fallait me le dire, je repasserai. La femme que j'attendais m'a laissé un message il y a plus de 5 ans. Ça fait bien longtemps que je n'attends plus personne. Vous avez d'autres questions? Oui. Les horaires d'ouverture, tous les jours de 7h30 à 15h et de 19h à minuit, vous conviendrez tout à fait bien, tout à fait, pourquoi pas, pas du tout, ne se prononce pas. C'est vous qui seriez là tout le temps? Je comprends pas le sens de votre réponse. Vous vivez seul? Oui, vous vivez seul. Excusez-moi, je comprends pas à quoi vous jouez. Puisque vous vivez seul, je vous proposerais bien de boire un verre. Rendre ce moment un peu plus agréable. Non, je veux pas vous déranger plus longtemps. Vous ne voulez pas discuter plus tranquillement? Mais vous comprenez pas. C'est sérieux pour moi, c'est... C'est un changement de cap, une nouvelle vie, une autre chance. C'est une raison pour que ça soit pas agréable? Mais c'est quoi le numéro que vous me faites, là? D'abord, vous vous trémoussez devant moi à moitié à poil en ouvrant la porte? Vous me faites la danse du ventre ou quoi? Non mais, vous imaginez si moi j'ouvrais comme ça la porte à des inconnus, torse nu? Entrez, monsieur, je vous en prie, c'est ouvert. Vous avez quoi dans le crâne? Vous me prenez pour qui? Pour un chien qui vient gratter à votre porte? Vous me présentez une gamelle et vous pensez que je vais venir gentiment vous lécher le doigt? Qu'il suffit d'une caresse pour que je fasse coucou, je panier papa t'en rond, mais je suis désolée, je suis pas de la race de votre ex, moi. Pardon. J'ai été maladroit. J'ai ouvert cette bouteille pour vous. Un Château Margot 1987. Acceptez. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Va falloir attendre pour le vin. Mais vous trinquerez à ma santé. Je suis désolée. Oui, vous dites ça pour me refourguer votre camelote. En plus, il y a mon rimel qui coule. Je voulais juste passer un moment simple. C'est courageux ce que vous faites. Je veux pas que vous m'épreniez sur mes intentions. Goûtez. Faites-moi plaisir. J'y connais rien en vin, c'est du bon ça? Goûtez. Chin. Dans les yeux. Voilà. Comme ça. Aimez ses saveurs. Regardez sa robe. Et buvez. J'ai l'air d'une idiote là. Château quoi déjà? Margot 1987. Margot. Margot, j'avais une copine à l'école qui s'appelait Margot, c'était une vraie peste. Vous ne faisiez pas un numéro de charme alors? Vous auriez voulu? Mais non. Ah, je pourrais si vous me le demandez gentiment. Il est pas mal cet escalier en fait. Oui, c'est pas mal. J'ai eu une journée un peu compliquée. C'est un peu tendu. Oui, tendu. C'est tendu en ce moment. Alors, c'est quoi ces autres questions? Ça vous embête pas si on reste là? Je peux apporter des bougies. Si vous voulez. C'est tout ce que j'ai. Attention questionnaire. Voilà. Bon, Hachi? Vous l'allumez pas? Ah, ouais. Attends. Je vais allumer ça. Je vais trouver une deuxième. Voilà. C'est vivant chez vous, hein? Ouais. Il y a du monde en bas. Ouais, ouais, il y a un bébé, j'en ai marre. Ouais. Vous les allumez pas? Ah merde, j'ai oublié les allumettes. Je reviens. En même temps, de toute façon, c'était pas très prudent parce qu'il y a du bois. Enfin, l'escalier, il est en bois, alors on sait jamais. Ouais, vous inquiétez pas, il est inifugé, hein. Donc, pas de souci. Il ni quoi? Il ni... Enfin bon, ça s'en fout. Oui. En même temps, ça va mal en bas, hein. Ouais, m'en parlez pas. C'est pour ça que je bois. Non. Non, non, je plaisante. Ah bon, parce que, quand même, ça vaut pas le coup. Enfin, je veux dire que... Vous êtes beaucoup plus sympathique qu'on vous seriez. Ah. Merci. C'est fort, mais bon, en même temps. Chin. Chin. Bon, alors. Bon, alors. Une autre question. Alors, pour le transport...